Salut Joe, salut Jérôme, salut Vince, all right, salut Frank, salut Sébastien, oh Tom, la famille Pépin va être là, c'est bon, salut Jérôme, GF, salut mon GF, Alexis, oui monsieur, playoff, tu l'attendais, hein? Salut Joël, salut Chantal. Marco, ah, je suis content, guys, ça va être bien, ça. Salut, mon GP, j'espère que tes athlètes sont prêts à la maison. Jérôme, même chose, hein? En tout cas, la famille Pépin, tout le monde est là, c'est bon. Salut, GF. GF, t'es présent ce matin, c'est bon. No replay today. Très bon. Salut, Evelyne. Je vais vous laisser encore, je vous dirai un 30 secondes. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Salut Marc et Vicky. Audrey! Ah, oh ben, tabarouette. Salut mon athlète. Salut Malik. Là, j'espère, Audrey, tu le fais avec nous autres ce matin, puis ton père aussi embarque. Salut François, Francis, Bobby, good. Écoute, c'est nos réguliers sont là. C'est bon. Là, on va sûrement avoir des curieux aussi qui vont venir faire leur tour. Ben, ça va être un bon aujourd'hui. Bon matin, Tammy, Michel. All right. On part ça. Alors, salut les athlètes et parents d'athlètes, coach Goyette pour Goyette 360. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis motivé, je suis en forme parce que aujourd'hui, nouveau training. Mais en fait, c'est pas un nouveau. En fait, là, on va prendre notre bagage des 30 derniers entraînements puis on va faire un gros wrap-up avec ça. Donc, c'est comme si on venait de jouer une saison de 30 matchs. Puis là, aujourd'hui, playoff time. Ouais, là, c'est notre première journée playoff. Puis on le sait tous que en playoff, c'est toujours un peu plus, pas tough, mais c'est hargneux. Tu sais, on est plus dedans. Les deux équipes travaillent fort. Donc, faut redoubler d'ardeur. Faut travailler plus fort ensemble. Faut mettre tout ce qu'on connaît collectivement ensemble puis le mettre en pratique. Puis on dirait qu'en finale, puis en playoff, ben c'est tout le temps un jeu d'erreurs. C'est pas un qui est meilleur que l'autre, c'est qui va faire la première erreur pour que l'autre capitalise sur l'erreur. Alors, à cet entraînement-là, ben ça va être un entraînement où on ne saura pas à quoi s'attendre. Vous savez pas à quoi vous attendre, puis je vous le dis même pas. Je suis pas un stool. Je vous le dis pas tout de suite. Par contre, la seule chose que je te dis, on fait 10 exercices. Tu vas avoir besoin d'un ballon, pas tout le long, mais va le chercher tout de suite. Pendant que je te parle, va le chercher. Comme ça, on va l'avoir pour tantôt. Et on va faire 3 périodes. Je ne sais pas si on va faire un overtime. Si on fait un overtime, la chose qui est importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas déborder de notre heure parce que ça va couper. Puis je ne reviendrai pas juste pour faire le stretching. OK? Fait que si ça skip, puis on le manque, tant pis. Puis on va skipper le stretching, mais on va finir le workout. Tout comme ça va dépendre peut-être qu'à la troisième période, très honnêtement, c'est moi qui va décider cette fois-là si on en fait un autre ou pas parce que le volume va être très haut, ça va être très élevé, ça va être très intense ce matin. Je te vends pas du rêve, je te le dis, ça va être tough parce que ce que tu sais pas, c'est comment on va tout faire ça. OK? Donc, 10 exercices que tu connais. Puis les chronos changent à chacune des périodes. Puis je t'attends dans le détour parce que, mais puis moi-même, hein, ça va pas être facile. Je me sens mieux, légèrement encore blessé. C'est pas grave, je le fais avec toi. Je te coach tout au long de ça. Rappelle-toi, si tu as un blessé pendant le match, ben il faut compenser. All right? Fait qu'on va travailler fort tout le monde ensemble. On est prêt. On part l'échauffement. On va partir avec le pied. On va tourner doucement, on va s'échauffer comme il faut. Moi, j'ai pris le temps de m'échauffer comme il faut depuis 8 heures ce matin. Je me prépare, j'ai pris mon café, je me suis préparé, j'ai bu de l'eau en masse parce que je sais que j'étais pour suer. Alors, tu sais, j'étais prêt. L'autre côté. Donc, c'est la même chose pour toi. Quand tu arrives dans des matchs, même surtout en playoff, ben, il faut que tu fasses doublement attention parce que c'est pas mal plus intense. On revient de l'autre côté. On tourne de l'autre côté. Donc, si tu tournais vers l'extérieur, tu rentres à l'intérieur.
Good. C'est important de bien échauffer comme il faut. Good. Maintenant, on va faire les genoux. On tourne comme il faut. Plie en masse. Oui, il faut que ça fasse une bonne flexion, extension. Tourne. Tourne. Fais des cercles avec tes genoux. L'autre côté. Yes. All right. Maintenant, on va aller avec la taille. Même chose. On va large. Tourne. Puis même quand tu fais ce mouvement-là, bien, assure-toi de garder toujours pareil tes genoux fléchis. OK? Lâche pas. Puis là, j'ai vu, tu sais, il fait beau dehors. On commence à sortir. T'as de l'école. Pas de trouble. C'est normal. C'est normal qu'en direct, on soit un petit peu moins. Mais ce que je suis content, puis je le vois, bien du monde en replay. Puis où je suis fier de toi, mon athlète, l'autre côté, c'est que tu as gardé du temps pour le faire. C'est facile des fois arriver puis dire « Ah, oh, j'ai pas le temps finalement. » Ben non, tu t'es gardé une petite heure pour toi, pour ta santé, pour ton entraînement, pour ta préparation. Un dernier, good, on revient, puis tu le fais. Je suis fier de toi. Ça, c'est pas facile, tu sais. Si c'était si facile que ça, tourne les épaules. Si c'était si facile que ça, en fait, on serait peut-être 3000 en ligne. Là. Tu comprends-tu? Tout le monde s'entraînerait. Tout le monde. Mais c'est pas donné. C'est pas tout le monde. On n'a pas toute la même volonté, c'est pas toujours facile, l'autre côté. Puis ça prend beaucoup de volonté, de discipline, de rigueur pour le faire, que ce soit quotidiennement, on arrête, tourne les bras, qu'on le fasse quotidiennement ou qu'on le fasse hebdomadairement, ce qui veut dire que tu le fasses même juste 2-3 fois semaine. Ça demande une certaine discipline et une certaine rigueur. Alors bravo mon champion, good job, c'est pour ça que tu es mon athlète et que tu es là. On revient de l'autre côté. Puis, tu es officiellement certifié athlète G3. Tu étais ma machine. Oui, monsieur. On travaille ensemble. Tu es mon athlète. Papa, maman, tu es mon athlète aussi maintenant. C'est fait. C'est conclu. Good. OK, on revient maintenant. On ouvre les jambes. On va aller faire nos 3 points. Touch, lève, touch, touch, touch. On monte. On lâche pas. Good. 2 autres. Good. Un dernier. Yes. Ensuite, on va aller toucher les pieds avec la main opposée. Fléchis tes genoux et pas peur. Tourner tes épaules, puis aller toucher à ton pied. On fait une torsion un peu. Yes. Puis expire, surtout quand tu penches. Good. Un autre de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on se tient droit, les pieds largeur des épaules. On va mettre les mains en avant. Ouvre. Ouvre. Puis quand tu ouvres comme ça, tu t'assures que dans ton ouverture, ça tire assez dans ta poitrine, mais que tu vas venir contracter tes omoplates en arrière. Reviens, ouvre, contracte en arrière. Ouvre, contracte en arrière. Ouais. Parfait. All right. Un dernier de chaque côté. Super. Maintenant, on tire le genou en arrière, lève le bras. Oui, monsieur. Une question. Good. Lâche pas. Je fais le tannant un peu ce matin. Ouais. Les gens qui me connaissent, ils savent que quand je fais le tannant, c'est pas drôle. On lâche pas. Good. Tire. Tire. Un dernier. Tire. OK. Maintenant, tire en avant. Good. Tire. Tire. Ah ouais, lâche pas. Il faut que ça tire dans ton fessier parce que, ouf, qu'on va bouger. All right. Un dernier. OK. Je suis énervé, j'ai hâte. OK. Premièrement, 10 exercices. Push-up, squat. On va faire des lunges alternés. On va faire des jackknife. On va faire des plank transfer, tu sais, quand on va toucher à côté. On va faire burpees, V-sit twist, Turkish get-up. Side lunge, puis des high knees. On les connaît toutes, hein? À cette heure, je les dis, puis ben oui, tu fais comme ben oui, oui, tu t'en rappelles de la plupart. Good. Maintenant, première période, on va faire un chrono de 30-30. OK? Donc, on part avec ça. Je t'en dis pas plus, parce que tu ne sais pas d'un match comment ça se passe. All right? On est combien aujourd'hui? Tu vois, on est 74. Pas beaucoup, hein? On a déjà monté jusqu'à 200. Fait que c'est normal, fait beau, l'école, tout, on recommence. Mais on s'est promis qu'on restait ensemble. Puis,
faut pas que tu lâches. Là, si tu me regardes, c'est peut-être parce que tu es en train de le faire après-midi. OK? Fait que, let's go, on lâche pas. 30-30, je pars le chrono. On commence avec, installe-toi, push-up, pas besoin du ballon. Tu peux tasser ton ballon. Je veux pas que tu y touches, je veux pas que tu triches. Je veux que tu le fasses comme je vais te le dire. OK? Puis là, on met tout en même temps. Ça veut dire, je t'ai dit tantôt au hockey, on met tout le collectif, on met toute notre technique, on met tout. Bien là, c'est la même chose. Tous tes exercices doivent être faits à le mieux que tu peux, à la perfection. Ça marche? C'est ça que tu recherches, là. La qualité au-delà de la quantité. T'es prêt? Donc, t'as un petit peu, je vais mettre mes 10 rounds. Done. OK, on est dans le 30-30. Parfait. Dans 3, on va partir push-up. T'es prêt? 3, 2, on peut partir sur les genoux si tu veux. C'est parti, 30 secondes. Prends ton temps. Je veux des belles push-up. On va s'échauffer comme il faut. Parce que je te le dis, deuxième, troisième période, elle sera pas facile. Ne seront pas faciles. Les deux. Good. Contracte les omoplates. Sors ta poitrine. Poitrine entre tes mains. Et non, la tête entre les mains. 5 secondes. 3, 2, 1. Top shape. OK, prochain. On y va avec des squats. Et là, pour te pratiquer, si tu veux, tu peux mettre tes mains en arrière de la tête pour essayer de garder une bonne posture, posture droite. OK? Donc, on met les mains derrière. Colle tes omoplates. Ouvre les coudes. Tu ne veux pas être comme ça. Ouvre les coudes. 8 secondes. Hey, c'est long, hein? Ouais, première période, toujours comme ça. On s'échauffe comme il faut. 4, 3, 2 et 1. Chest up. Parfait. Puis avec tes pieds, je veux que tu pousses dans le plancher. Ouvre tes genoux. Puis sors les fessiers. OK? Tu veux essayer de descendre le plus bas possible. Tu veux échauffer tes hanches. Tu veux échauffer tes genoux, tes chevilles. Comme il faut. Lâche pas. Good. Faut aller doucement. Faut travailler comme il faut. Parce que tantôt, on va y aller. OK. Jackknife. On va se coucher sur le dos. Puis là, je veux pas t'oublier tous les petits points techniques. On va se lever. Quand tu vas te lever, qu'est-ce qu'on fait? On expire. Exactement. Donc, tu vas t'allonger les bras. All right? T'es bon. T'es rendu tellement bon. Come on. Dans 3, 2, 1. Vide l'air. Vide l'air. Yes. Good job. Good work, good work. Come on. 15 secondes. Good. 10. 8, 5, come on, 3, 2, 1, woo! Good job! OK, le prochain, on va faire des lunges alternés, OK? Donc, on va aller en avant, reviens avec l'autre, reviens. Le plus important, bonne posture, reste droit, rentre ton ventre, puis quand on va descendre, pieds, genoux et hanches, ça doit être aligné. Pied gauche à gauche, pied droit à droit. Puis je veux que tu descendes le genou en arrière, près du sol. Pas des petits mouvements. On va plein. Descends, reviens. Descends, reviens. Puis avec ton bras opposé, tu peux aller en avant. Ça l'aide à regarder une bonne posture. Puis ça ressemble pas mal à tout ce qui est athlétique, patin, course. Ça va rejoindre ce mouvement-là. Le pattern qu'on appelle. Pattern athlétique. Lâche pas, mon athlète. Come on. Good. Good job. Parfait. Next. On va y aller avec plank transfer. Donc, ce qu'on va faire, position push-up. Puis là, on va aller toucher. Loin à côté, tu reviens. Loin à côté, tu reviens. Ça va? On va se préparer. 12 secondes. Puis ce qui est important, regarde-moi là, les fessiers, faut pas que ça creuse comme ça quand tu fais ça, puis tu veux pas avoir l'air du pont non plus. Donc, épaule au-dessus des mains, stabilise, plie tes jambes un peu, let's go, on touche, 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 touche. Serre tes abdos forts,
Good. Lâche pas. C'est ça le plus important. Garde le poids sur ton bras. Yeah! Tes bras travaillent, poitrine travaille, épaules travaillent et le corps travaille. 3 secondes. Good job! C'est très bon. Tout ce qui est planche est 100 fois plus utile que de faire des sit-ups ou des abdominaux ordinaires. OK, prochain. Burpees. Yes! Let's go! Burpees, 15 secondes. Tu prends ton temps. Hein? Puis quand tu vas allonger tes jambes, laisse-toi descendre au sol. Alors, tiens pas trop pour que ça donne mal à ton dos, dans le sens que tu descends et quand tu vas sauter, laisse-toi descendre. Fais pas... OK? On descend... Tire, hop, descend, tire, hop, good job, lâche pas, 15 secondes, oublie pas de respirer, good, 5 secondes, lâche pas mon athlète, 3, 2, 1, yes! Good job! All right! Prochain, on va faire V-sit twist. Donc, on va être assis par terre, les pieds ensemble. On va tourner avec les épaules, puis on va aller de chaque côté. OK? Ce qui est important, tu gardes tes abdominaux engagés. Engagé, ça veut dire que tu serres fort. Comme si tu ne voulais pas faire pipi. OK? C'est vrai. Serre. Je sais que ça a l'air drôle, mais c'est vraiment ça. Il faut que tu actives les muscles le plus profondément de ton corps. Ça part de là. Serre. Yes, lâche pas ça. Expire. 10 secondes. Let's go, mon athlète. Come on. Yes. Grosse première période. Une belle et bonne période. Good job. Très bon. Turkish get-up. Là, Turkish, on y va avec un bras. OK? Comme d'habitude, tu fais comme si tu avais un verre d'eau dans les mains. On s'en vient bon. J'en ai vu toutes sortes de Turkish, là. Vincent aussi. Vincent m'en a envoyé un avec un verre d'eau. On est bon. Vous êtes pas mal bons, mes athlètes. Pas mal fiers de vous autres. 4, 3, dépose la tête. 1, c'est parti. On se lève, on redescend, doucement, good. Faut garder un peu d'énergie pour la deuxième période. Puis la première, ça nous sert à juste s'échauffer. Lâche pas, good. 10 secondes, come on. T'es bon, lâche pas ça, good. Lève, good. Oui, monsieur. Beau travail. Side lunge. Là, side lunge, on va aller faire ça alterné. On va ouvrir les jambes larges. Et là, ce qu'on va faire, on va descendre en gardant la jambe qui reste éloignée, droite, droite, droite. L'autre jambe, on va venir plier, puis on va faire comme si on voulait aller s'asseoir juste une fesse sur un banc. Juste une fesse revient. L'autre côté. OK? Comme ça. 2, 1, c'est parti. Good. Lâche pas. Good. T'es bon. L'idée, c'est pas d'aller trop vite. L'idée, c'est de rester bien placé. En fait, t'es supposé d'avoir l'épaule, hanche, genou, pied en ligne. Pas évident, hein? Ça t'en demande des choses. Lâche pas. Good. Puis descends en masse. Voilà, porter ta fesse basse. Good job. OK. High knees. On court. Ça va bien, hein? Ça va très bien. Première période, aucun problème. Vous êtes bon. OK. 15 secondes, mon athlète. Je veux que tu lèves les genoux le plus haut possible. On fléchit les bras. Par en avant les bras. Right? Serre fort. Tiens ton ventre par en dedans. Faut pas que la bédaine sorte. 3, 2, 1, on reste sur le bout des orteils. C'est ça. Le fait d'être sur le bout des orteils, ça t'aide à amortir.
Puis, c'est très bon pour quand tu patines ta vitesse. Le jeu des orteils puis du rebond, il est important quand même si tu patines puis il n'y a pas d'impact. Parce que tu finis toujours ta poussée avec un petit coup de pied. Tu t'en rends pas compte, mais c'est ça. Lâche pas. Good job. Facile à cette heure. Première période, écoute. Moi, je me rappelle, on prend un repos. Je me rappelle là qu'au premier training, on n'avait même pas, je pense qu'on n'avait même pas fait 10 exercices. Je suis pas sûr, mais... Faudrait que je retourne voir mes premières vidéos. All right. Deuxième période. Sors le ballon. On sort le ballon. Ensuite, on va faire 40-20. Oh oui. Donc, comme tu peux voir, puis que tu te doutes bien, ça va être une grosse période. 40 et 20. Parfait. 10 exercices. On est en business. Alors, tu es prêt? On commence avec push-up. Puis ton push-up, on va faire 20 secondes sur une main, 20 secondes sur l'autre. M'écrivez-vous des affaires. Good job. All right. On est encore pas pire. Tu sais, gars, c'est normal, là. On est descendu, on est à 66. C'est correct. Je sais qu'il va en avoir plein en différé. Là, je sais pas, guys. L'école, c'est important. Faut finir ça. Hein? C'est comme ça. OK. On y va avec... push-up, avec une main sur le ballon, on va changer aux 20 secondes, squat, on va lancer. Donc, à chacun des mouvements, on va répéter les mêmes, mais je te dis quoi faire avec ton ballon. Ça va? On part ça. T'es prêt? Push-up. OK, dans 3, 2, 1, c'est parti. Comment? Doucement, fais tes push-up avec la main sur le ballon, t'amènes ta poitrine entre tes deux mains, garde la tête droite, serre tes fesses, engage tes abdos. Come on, lâche pas. Ouh, encore. Deux, on change de main. Good. Lâche pas, mon athlète. Come on. T'es bon. Ouh. 10 secondes. Come on. Ouh. 5. 2. Déjà 10 secondes de plus de travail, c'est du stock. Squat, on va tenir notre ballon ici. Squat, à chaque fois qu'on s'allonge, on s'allonge et on remonte, je veux que tu lèves le ballon en haut. Quand tu lèves le ballon en haut, tu serres tes fessiers. OK? Je veux pas qu'on s'en aille avec le dos courbé. Donc, squat, monte, droite, puis tu l'amènes au-dessus de ta tête, puis regarde pas ton ballon. Parce que quand tu regardes ton ballon, tu as tendance à t'en aller vers l'arrière. C'est pas ça qu'on veut. Good. Respire, c'est ça. Good job. Good. C'est comme si tu t'en allais un peu vers l'arrière avec ton ballon pour l'amener au-dessus de ta tête. Donc, tes bras devraient arriver chaque côté de tes oreilles. Lâche pas. Good. 5 secondes. Good. Yes! Good work. Next. Jackknife. Donc, on s'en va au sol. Même chose que d'habitude. Même chose que tantôt. Il faut expirer en montant. Puis, tu lances ton ballon. On va aller toucher à nos pieds. Ou presque. 3, 2, 1. Puis, on alterne. Good. Puis, je veux que tu ailles toucher avec ton ballon au-dessus de la tête en arrière. Good. Expire. Good job. Expire. Puis descends lentement. Je veux pas que tu descendes et tu te laisses tomber. Good work. T'es bon. 15 secondes. Lâche pas. Good. Expire. Good. 8 secondes. 5. 3. 2. 1. Oui, monsieur. Parfait, ça. OK, next. On lunge alterné. Donc, là, ce qu'on va faire, on va se mettre ça un peu difficile. Je veux que tu mettes le ballon au-dessus de la tête. On va le tenir à deux mains, puis on va faire nos lunges pareil. Fait que ça va être tough.
comme ça. C'est parti. Ça t'aide à garder le corps droit. Puis si jamais tu es fatigué des épaules, tu peux garder le ballon devant toi. Ça va? Ah ouais, lâche pas mon athlète. Come on. T'es en playoff. Là. Pas une game normale. Fait qu'il faut se donner un peu plus. Good. Good. Lâche pas, lâche pas. Let's go. Yes. Come on, 9 secondes. Good work. Woo! Woo! Good job. OK, next. Plank transfer. Donc, on se place position push-up et on va bouger le ballon en dessous de nous, côté opposé. Donc, je le mets à gauche. Avec ma main droite, je vais le changer de côté. T'es prêt? C'est parti. Let's go. Prends ton temps, puis prends le temps de déposer ta main comme il faut. OK? Toujours essayer de garder tes épaules, puis au-dessus de tes mains. Pour pas que tes fesses lèvent, puis que tu sois comme un pont, garde la tension dans tes abdominaux, puis garde les genoux pliés un peu. Good. Lâche pas. C'est très rare qu'on travaille avec les jambes super tendues. Keep it up, mon athlète. 7 secondes. 3, 2, 1. Yes, sir. Good job. OK, next. Burpees. On va faire burpees pass. Tu te rappelles? On se lance le ballon. OK. Donc, on va descendre ballon au sol. J'allonge, je reviens, je fais une passe. T'es prêt? 3, 2, let's go, on joue ensemble. Down, allonge. Pause. Good. Good. Lâche pas. Super job. Lâche pas. Parfait, ça. Good work. Fais attention quand tu t'éloignes. Essaie de garder tes épaules au-dessus de ton ballon. Good job. Parce que si tu t'éloignes trop, plus difficile de revenir, puis plus de tension dans ton dos. Good job. Good. Boom, boom, good. Good. Woo! Good job. OK, V-sit twist. S'en va au sol. Pieds ensemble, puis on tourne avec le ballon. Respect, c'est ça. Faut ramener notre fréquence cardiaque le plus bas puis le plus vite possible. 2, 1, let's go. Good job. Good work, good work, good work. Come on. 40 secondes, 20 secondes encore. Reste fort, pousse les pieds, serre les abdos, puis respire. Lâche pas. 8 secondes. Quand même long, 40 dans celui-là, hein? Good job. Oui, monsieur. OK. Side lunge. Non, pas vrai. Turkish. Turkish, là, pas de main. Pas de main. On garde le ballon, puis on essaie de se lever sans les mains. Je vais descendre. 2, 1, let's go. On se lève, on redescend sans les mains. Good. Lâche pas, mon athlète. Come on. Good job. Hop. Good. Je m'en viens bon, même du mon côté faible à cette heure. C'est grâce à toi, ça. On est obligé de les faire, hein? On n'a pas le choix. Good work. On descend. Good. L'autre côté. 8 secondes. Good. On descend. 5. 3. 2. 1. Yes! Yes! On a passé au travers. Side lunge. Lâche pas. On va mettre les pieds larges. Un petit peu plus larges que les épaules même. Puis là, on va garder le ballon devant. Puis on va descendre d'un côté à l'autre. 3, 2,
Un. Let's go. L'autre côté. Good. L'autre côté. Lâche pas ça. Pousse avec ton talon. Yes. Sors les fessiers. Garde cette jambe-là allongée. Celle qui s'éloigne, faut qu'elle reste allongée droite. Good. Good. Lâche pas. Puis garde tes pieds vraiment parallèles. Il faut pas qu'ils soient ouverts comme un canard. 7 secondes. Non, ouais, lâche pas. Yes, d'un côté à l'autre. Woo! Good job! High knees running. Là, à la place qu'on va faire high knees, on va faire football run. Parce qu'on a le ballon. Je veux que tu gardes le ballon dans tes mains, comme au football. On peut le tenir en avant. On va le tenir en avant. Puis, on écrase les fourmis. Go! Ah ouais, lâche pas. Garde le ballon devant. Come on! Ah ouais, la machine! Good job, good job. Puis tu peux bouger. Tu te déplaces un peu de gauche à droite. Come on, quick. 20 secondes. Oh my God, lâche pas. Ça a les abdos pareil. On reste engagé. Come on. 10. Let's go, let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1. Yes! Grosse deuxième période. Bravo, mon athlète. Good job. Boom! Yes, sir. All right. On prend une gorgée d'eau. Puis la troisième, et non la moindre, ça va être la plus tough. Je dois te le dire. Je pense que on n'a jamais fait ça. Là, tu ne vas pas m'aimer, mais on va faire 60 secondes de travail. On n'a jamais fait ça. C'est exceptionnel. On l'a déjà fait, là, 60 secondes, mais jamais en circuit. Une fois un exercice, une fois un autre. Puis là, ce qu'on va faire, par contre, ou ce qu'on va se permettre un peu de lassitude, c'est qu'on va se permettre, au niveau des repos, de s'ajuster nous-mêmes. Puis là, bien, je vais essayer d'être je vais être la référence. Ça veut dire que si je suis capable, on continue. Puis si je suis fatigué, bien, on attend. On va prendre un plus long repos. Ça marche? Pas de ballon, parce que ça va être trop long puis trop difficile de le faire avec le ballon. La tension va être énorme. Puis ça va nous amener à faire des mauvais mouvements. Puis ça va nous amener à être très compensatoire. Puis c'est pas ça qu'on veut. OK? Donc, on va faire une minute de travail. On prend 10 secondes, on repart. Des fois, ça va être 20 secondes, on repart. On va essayer de les enchaîner comme on peut. Ça va? Donc, on va partir ça. 3 secondes, es-tu prêt? On part avec push-up. Ah. OK. 3, 2, 1. Good. Puis même tes push-up, tu vas voir que tu seras pas capable de faire une minute peut-être de push-up. Alors, ce qu'on va faire, tu fais ton max comme tu peux. Puis si t'es fatigué, tu descends sur les genoux. Puis si t'es fatigué, bien, tu prends une seconde ou deux, t'en refais un autre. Seconde, deux, t'en refais un autre. C'est quand même une minute de travail. Tu me suis? Le but, c'est pas juste de faire une minute de push-up. C'est pas de faire 100 push-up. C'est de faire une minute de travail. Comme tu le peux. Lâche pas. Tu vois, on a 30 secondes de fête. Ça va bien. Là, ça travaille un peu plus au niveau de l'endurance musculaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment travaillé depuis le début. Mais il faut le faire de temps en temps. Ça arrive. Come on, 13 secondes. Tu vois? Let's go. Come on. Lâche pas. L'important, c'est pas la vitesse. On essaie de garder une bonne technique. Un. Yes, sir. All right. Ouh, OK. OK, on s'installe. On y va pour les squats. 3. T'es prêt? 2. 1. Let's go. Tu sais, ça se peut qu'au début, on prenne moins de repos,
Puis plus qu'on va aller dans l'entraînement, plus qu'on va aller dans le circuit, ben on va en prendre un peu plus. Parce qu'on va être mort. Après burpees une minute, là, c'est clair qu'on va prendre un break. Let's go. Lâche pas. Puis là, l'idée, là, c'est pas de nous démontrer que t'es le meilleur. L'idée, là, c'est de garder le focus sur ce que t'as à faire. Puis tiens-toi-en à ça. OK? Si t'es à la maison, mon athlète, puis tu prends le ballon, mets-moi ça à terre. OK? Pas besoin de ça. On n'a jamais fait ça une minute de travail, là. Fait que let's go. On essaie de faire ça comme il faut pour tout le monde ensemble. 20 secondes. On n'a rien à prouver à personne. C'est à nous qu'on se prouve. Lâche pas. Ton but, c'est pas d'être meilleur que ton chum ou que ton frère. Le but, c'est que tu sois meilleur qu'hier. C'est ça l'objectif. Come on. 2, 1. Oh. Oh yes. Ouh. OK. All right. Next. On y va avec Jackknife. Come on. Je pense qu'on est capable. T'es prêt? Couche-toi au sol. 3, 2, 1, c'est parti. Ah ouais, mon athlète. Une minute. Good. Good. Yes, sir. Come on. Yes. Lâche pas. Good work, good work. Yes. Expire. Chaque fois que tu montes, expire. Contrôle. Garde un bon rythme. Faut gérer. Le but, c'est d'essayer de pas arrêter. Fait que si on va trop vite, on va se brûler. 15 secondes. 10. Ah ouais, comment t'es capable? 5. 3, 2, 1. Oui, monsieur. Oh! OK. Next. Le prochain, là, on a fait Jackknife Lunge. OK. T'es prêt? On est bon. Let's go, c'est parti. Lunge. Reviens. Good job. Lâche pas. Good work. Respect comme il faut. Haut du corps engagé. Ah ouais, come on, t'es capable, mon athlète. Let's go. Faut pas que la technique a faille. OK? Faut pas que ça manque. On veut pas changer notre façon de faire. C'est comme ça qu'on risque de se blesser. On veut rester performant, puis on veut rester utile. 25, let's go. Good job. Lâche pas. Yes. Good work, good work. Yeah. Yeah. 7 secondes, ça rentre, hein? Respect. Let's go. Woo! Good job. Oh my God. OK. Next. Plank transfer. Es-tu prêt? On y va. Position push up. C'est parti. Touche. Reste solide. C'est le temps d'essayer de reprendre ta respiration puis de redescendre ta fréquence cardiaque un peu, même si c'est tough. Ça reste que c'est moins cardio que quand on fait des jambes. Lâche pas. Hey, on est bon. À coup de minute, là, on est bon. Je te félicite. Come on. Mais c'est pas fini. Hein? 27 secondes. Let's go. Même les jambes travaillent, le corps travaille, là, rendu là, là. Tout. Là, on sent plus les muscles qui travaillent, là, quand on tombe en endurance. Lâche pas. 5 secondes. 3, 2, 1. Yes, sir. All right, on prend une petite gorgée d'eau, on s'en va aux burpees après.
Come on. Gorgée. OK. T'es prêt? On s'installe les burpees. Ah ouais, on est capable. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Ah, ça va être notre plus demandant, je pense, ça. Good job. Lâche pas. Lui, il va être difficile. On est fort. Come on. Good work. Lâche pas. Moitié de fait. Pas facile, hein? Ah. Ah ouais, come on. On continue. Même si ça va pas vite, on lâche pas. Yes. Ah ouais, mon athlète, come on. 8 secondes. Yes. Oh. Woo. Yes, sir. Good job. Good job. Oh my God. All right. Le prochain, on va faire V-sit twist. On reprend notre souffle un peu. All right. OK. T'es prêt? On s'assoit. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Pieds ensemble. Si jamais on n'est plus capable, soit tu mets un pied, soit tu mets les deux pieds, mais on continue. Ça va? Let's go. Tourne. Puis tu veux pas aller trop vite. Garde juste ton rythme. Même dans les cuisses, c'est dur. Ah ouais, come on. Si tu trouves ça dur, tu mets un pied à terre. Let's go. T'es bon. T'es vraiment bon. Ah ouais, lâche pas. 25 secondes. Plus que moins que la moitié. Lâche pas. Ah ouais, good job. 15 secondes, let's go. Oh my God. Ah ouais, come on, temps playoff. Faut se donner 10. Oh my God. 5, 3, 2, 1. Oh my God. Woo! Oh yes! T'es bon, lâche pas. Oh my God. Très bon. OK. Next. On fait... Oh my God, Turkish. Allez, ça sera pas facile. OK. T'es prêt? On y va dans 3. OK. 3, 2, 1. Ah ouais, let's go, c'est parti. Ah ouais, mon athlète. On redescend. Good job. Let's go. Yes. On redescend. Good. T'es bon. Ah ouais, tout le monde ensemble. Come on. Yes. Good. Down. All right. Change de côté. Come on. On redescend. T'es une vraie machine. Let's go. 30. Ah yes. On descend. Come on, come on, big. Let's go. Ah ouais, mon athlète. Let's go, let's go, let's go. C'est là que ça fait la différence, hein? Yes! Come on. 10. Let's go. Change pas. Change de base si tu veux. Excuse. Arrête juste pas. Come on. 3, 2, 1. Yeah! Woo! Oh yes! Oh yes! OK. Oh my God. Hey, on est bon. On prend une petite seconde. On va aller faire side lunge, OK? De côté. Solide. OK, on est-tu prêt? Ben oui. Ah ouais. T'es prêt dans 3, 2, 1. Let's go. Chaque côté. Prends ton temps. On descend assez bas. Faut pas... faire assemblant, puis faut pas descendre juste un petit peu. Faut descendre comme il faut, le plus bas qu'on est capable. C'est très bon pour ta poussée de patin.
les pleines amplitudes, ça change de quoi? Come on, lâche pas. Yes, sir, mon athlète, let's go. Come on, good. Let's go. Combien? 27. Come on, la moitié de fait. Ça travaille dans les jambes. Push. L'autre. Push. Good. Ah ouais, on alterne ça comme si on patinait. Expire. Good work. Come on. T'es bon, man. Lâche pas. Let's go, la famille. Come on. 5 secondes. Oh yeah. Come on. Woo! Good job. Good job. All right. OK, maintenant, on termine ça. High knees. Pas besoin de break. Let's go. On est capable. T'es prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Oh my God. C'était très bon. Grosse troisième. Come on. Oui. On reste solide. On reste fort. On lève les genoux. Bouge les bras. Come on. 30 secondes. Même pas 35. Come on. Let's go, guys. Audrey n'est pas avec nous autres parce qu'elle m'écrit en ce moment. Let's go. Ah ouais, lâche pas, lâche pas. Keep it up. 10. Ah ouais, mon athlète, come on. 3, 2, 1. Oh oui. Good job. Wow. C'était toute une troisième. Puis là, ben tu sais, comme tout athlète qui se respecte de G3, certain qu'on va faire une overtime. Mais hein, on est encore capable. 20 secondes de travail. Puis Tabata style, on connaît ça. On est capable. 10 secondes de repos. Oh my God. OK. Vous êtes prêts, les machines? On prend une petite gorgée d'eau. Les mêmes mouvements. Comment ça se passe à la maison? Ça a l'air de bien aller. Ben oui, overtime, c'est sûr, Monique. Ben oui, Alexis. Hey, les athlètes, vous êtes vraiment hot. Vraiment hot. Moi, je m'étais préparé ce matin. J'ai mis mon full chandail de la puissance. Fait que j'étais prêt ce matin. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça facile. OK. On est-tu prêt? On passe ça avec push-up. OK, on passe ça. Comment? Dans 3, 2, 1. Puis là, on va essayer de mettre un peu de vitesse. Good. Si tu es capable, tu vas un petit peu plus vite. C'est comme si on voulait accomplir un peu plus de répétitions dans le même nombre de temps. Sauf que faut pas négliger notre technique. Toujours la même affaire. Good job. OK, squat. 5 secondes. 3, 2, 1. Let's go. Squat. Good job. Lâche pas. Yes. Yes. Come on, la machine. C'est ça. Lâche pas. Parfait, ça. Garde ton rythme. Good. Les genoux larges, toujours vis-à-vis les genoux, vis-à-vis les orteils. Oh yes! Good job! OK. Jackknife. On y va avec jackknife. Celui-là, on peut mettre de la vitesse, mais je veux tout de même que tu fasses attention à ta descente. Doucement. Doucement. Contrôle ta descente. Expire à ta montée. Déroule. Déroule. Lâche pas, 4 secondes. 2, 1, boom! All right! Lunge. Non, c'est pas ça. Oui, lunge. Lunge alterné. Là, ça va être un petit peu plus vite. Good. L'autre. Good. Yes. Lâche pas. Lève la poitrine.
Alterne avec tes bras. Come on. Lâche pas ça. Good work. Facile. OK, next. Plank transfer. Position push-up. 2, 1, touche. Touche. Lâche pas. Yes. Keep it up. 4, 2, 1, good. Burpees. Ah ouais, on est capable. 3, 2, 1, let's go. Good. Lâche pas. Come on. Yes. 7 secondes. Good. Ah. V-sit twist. Oh my God. Quand même, hein? Good job. C'est le total qui rentre dedans. Lâche pas. 10. Cinq, trois, deux, un. Turkish. Oh ouais, la machine. On lâche pas. Deux, un. Come on. Good. Down. Yes. Lâche pas. Good work. 7 secondes. On est capable. On va essayer d'en faire 2. Pas le temps. All right. Next. Side lunge. Les pieds larges. Let's go. Ah ouais, mon athlète. On reste bas, tiens. D'un côté à l'autre. Good. Pousse. Pousse. Good. Let's go. Reste bas. Chest up. 2. 1. Yes. Ouh. High knees. T'es bon. Go. High knees running. 20. Ah ouais, on est capable. On est en feu. Ça va bien. Cinq secondes. 3, 2, yeah! Yeah! Good job! Woo! Tabarouette! Super beau travail! Hey, on recommence. On recommence au complet, on recommence le match. Hey, good job! Sérieux, là, mon athlète. Je suis vraiment fier de toi. Vraiment. Good job! Je suis vraiment content. OK. Hey, ça va super bien. C'était pas mal intense. Puis là, une minute, hein? Hi! C'était quelque chose. T'as bien travaillé. Félicitations. OK, on va faire un petit stretch. On a le temps. On a encore une couple de minutes. On va faire ça. Retour au calme. Essuie-toi comme il faut. Prends ta petite gorgée d'eau. On lâche pas. OK. On se couche sur le ventre. All right. Puis, on va faire un T avec les mains. Puis, on tourne. Hey, good job! Ah, oh, que c'était cool. C'est comme un vrai match des séries. J'étais prêt. Puis, j'étais content. Je suis content d'avoir fini. C'est toujours le fun, hein? Quand tu finis ton workout, c'est le sentiment d'accomplissement. Il est bon. On revient. Good. On va mettre les mains à l'envers. Tu t'éloignes. On veut étirer les dorsaux, les épaules. On revient. On va aller mettre un genou en avant.
Hey, c'est vraiment cool. En tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver avec le hockey. Je travaille fort pour que je sois capable de faire mes camps. Là, pour ceux qui viennent à mon camp, j'espère que ça va se passer. Je vais soumettre ça cette semaine. Puis, mais pour les autres, je vais essayer de continuer à faire change de jambe, à faire des lives au moins deux, peut-être deux par semaine si je suis capable. Puis on va voir ce que ça va donner parce que je vais commencer. Si tout fonctionne, bien, je vais être pas mal plus occupé. Mais je veux quand même essayer de vous faire ça un petit peu, de vous en donner comme ça parce que vous m'avez aidé beaucoup, beaucoup dans cette période-là. Hein, c'est dur pour vous autres, c'est dur pour tout le monde. Mais ensemble, ça a été plus facile. Ça m'a motivé à continuer. Vous m'avez aidé à garder la forme. Puis autant moi, ben je vous ai aidé à garder la vôtre, mais sérieusement, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est pas le fun tout seul de s'entraîner. Moi, j'aime ça, mais c'est bien plus le fun en gang. Ensemble, comme je dis toujours, ensemble, c'est plus facile. Fait que je vous remercie beaucoup, puis je vais essayer encore de pouvoir vous offrir ça. J'aimerais bien ça, être capable de le mettre, de le faire au moins deux fois semaine. Puis tu sais, à défaut de le faire peut-être live, peut-être mettre disponible puis les continuer d'une façon différée, tu sais. On lâche pas. On garde le stretch. On revient. Je travaille aussi sur une formule de camp que vous allez pouvoir faire, que vous pouvez faire à distance, mes athlètes. Si jamais vous n'avez pas de camp, vous n'avez rien, vous n'avez pas de disponibilité, mais pas d'endroit pour vous entraîner, mais je suis en train d'essayer de bâtir quelque chose pour vous autres. Vous allez pouvoir le faire à la maison pour vous préparer pour votre saison de hockey. Peu importe sur quelle forme ça va se présenter cette saison-là, bien, vous allez être prêts. On revient. Parce que s'il y a quelque chose qui me tient à cœur puis que j'ai pas le goût, c'est que je veux pas vous laisser partir dans le néant. Puis si tu es là, c'est parce que tu aimes le hockey, puis tu as envie d'être bon, puis tu as envie d'être meilleur, ben on va essayer de faire en sorte de t'offrir, de mettre les outils disponibles pour que tu puisses y arriver. C'est ça qui est important. On revient. Hey, good job, mes athlètes. Vraiment fiers de vous autres. Êtes-vous prêts? On met la main. Ready? 1, 2, 360! Good job, guys! On se revoit. Là, on est quoi? On est jeudi. Ben samedi, j'en fais un autre. C'est sûr que je vais en faire un autre. Vendredi, on va faire encore la chronique à 16h de Coach, j'ai une question. Probablement que ça va être la dernière parce que j'aimerais ça changer le format, mais continuer à le faire. Je vous expliquerai lors de cette live-là. Mais en fait, on va continuer pareil, mais sous une autre forme. Et puis, ben c'est ça, samedi, on se revoit. Lâche pas, mon athlète. Garde ton mindset, j'ai toi. Reste fort, ça achève, tu vois. On commence à voir la lueur au bout du tunnel. Ben reste positif, reste motivé. On continue ensemble, je te laisse pas tomber. Laisse-moi pas tomber. Puis on se voit samedi, mais surtout vendredi. Viens voir, j'ai le goût de jaser avec toi. Salut!